Ben, des rencontres, on rencontre tellement de monde très intéressant que voilà. Ça permet de rencontrer des confrères, voire des amis ou des copains qu'on ne voit pas le reste de l'année parce qu'on est occupé dans nos propres cabinets. Ça permet de faire des nouvelles rencontres également et puis d'apprendre beaucoup de choses évidemment pour notre pratique. Absolument, prothèse provisoire en implantologie, c'est toujours un casse-tête. C'est ma première conférence ici à France, c'est toujours intéressant de voir comment vous appliquez l'implantologie ici à France. Et implantologie et esthétique sont deux sujets qui pour moi sont très intéressants. Par l'intermédiaire d'amis. Par l'intermédiaire d'un ami échange dentiste. Oui, je connais Génération Implant, je suis déjà allé sur le site, enfin vu un peu ce qu'ils faisaient, les formations post-universitaires. À travers de la faculté, ils ont diffusé ça aussi sur Facebook. Un thème très actuel et qui va de plus en plus nous concerner, nous étudiants, quand on va arriver dans la vie active. Comme je suis en troisième année, l'implantologie, on n'en fait pas encore. Donc oui, ça m'a beaucoup appris cette conférence. Ouais. Eh bien, déjà qu'on avait affaire à deux conférenciers de grande renommée. Et moi, en tant qu'implantologiste de longue date, j'ai appris beaucoup de choses sur ces deux conférences et que je pense qu'elle a porté ses fruits au niveau des jeunes praticiens qu'il y avait dans la salle. Je pense que ça s'est très bien passé, qu'il faudra réitérer ce genre de conférences. C'était vraiment une très belle soirée. On a eu près de 150 inscrits, donc c'est la première fois qu'on a autant de monde à une soirée Génération Implant. Christophe Rignon-Bray a fait une présentation très intéressante. Ce qui est super aussi, c'est qu'on a eu des étudiants et c'est vrai que a priori ils ont apprécié les conférences et c'est toujours très sympa d'avoir un public jeune qui représente un peu le futur de la profession et c'est tout le but de Génération Implant aussi que s'adresser aux jeunes. D'abord j'étais très content d'avoir autant d'auditeurs dans la salle, très heureux d'avoir retrouvé des amis qui étaient dans la région niçoise avec qui j'ai pu renouer des contacts. Je prévois de réaliser une émission GI Télé sur la prothèse amovible complète supra-implantaire, elle sera tournée donc sur Nice. Elle sera normalement diffusée le 28 février. The number you have dialed is not in service at this time.